Ça y est. Ça commence. Rétro Game One, c'est profiter de parler de vieux jeux pour faire des sketchs, si possible rigolos. Mise en place du décor de Frédéric Tabi. Avec deux rideaux. Fort quand même. Ok. Avant de venir, ce que vous n'avez pas filmé, c'est que pendant une demi-journée, je fouille tout mon grenier pour trouver tous les accessoires dont on a besoin. Dedans, il y a la machine spatio-temporelle, il y a plein de fringues pour faire un mafiosi, c'est pour faire un Marcus Vieux, une chemise de Pierre Bellemare, là c'est une chemise de Yann Marcus Bertrand. Voilà, donc il y a des tas de trucs. C'est de faire voir. Voilà. Donc on a en vrac des Pikmin, des flingues. Pantalon noir, parce que je suis en basique, j'ai une tenue basique qui est tout en noir pour qu'on ne confonde pas avec les costumes. C'est Marcus le personnage principal, c'est celui qui a le plus de crédit et le plus de sympathie envers notre cible, et c'est totalement justifié. Je travaille avec lui depuis plus de 15 ans maintenant, et c'est un mec adorable, mais exactement comme il peut paraître à l'écran. Il est vraiment comme ça dans la vie, c'est un vrai vrai gentil Marcus. Marcus fait qu'il me fasse un lâche sur le nez, une cigogne morte dans le dos. Eh bien je fais Nicolas Hulot qui s'est introduit à l'intérieur d'une femelle éléphant. Voilà, aujourd'hui voilà à quoi on en est rendu dans Retro Game. Non mais pourquoi il s'est introduit? Et pourquoi? Pour voir un accouchement d'éléphanto en vue subjective. Ils se sont croisés avec l'éléphanto et ils se sont pas vus. Je sais même pas pourquoi on fait ça. Alors, il faut le sonore de la 17. Aucun rapport avec aucun jeu. C'est pas grave. D'accord. C'est une bonne personne avec plein de qualités, plein d'idées, plein d'imagination. Et puis, toujours à vouloir expliquer tout son savoir sur tous ses jeux. Retro Game One, c'est une émission qui tourne autour de Marcus. Donc, on peut se permettre de faire justement des décors et des accessoires un peu bricolés. Parce que ça fonctionne très bien. Hey, tu voulais voir ma prostate? Tu vas la voir. Hein. Je suis bien placé. C'est une vision de cauchemar. Ouais, moi ça me va. Souvent chez nous, le bricolage fait qu'on arrive à des trucs incroyables. Qu'est-ce que j'aime le mieux? L'hélicoptère, c'était pas mal. L'hélicoptère, il était bien. Tout ton gaffeur, il a bien volé. Le tank aussi. Question look, c'est quand même pas terrible. Ah bah on est obligé d'alléger, hein, mais comme ça, ça passe partout, quoi. Puis alors, on entend bien le moteur. C'est bon. Ben je dis, on entend bien le moteur. Oui, mais il y a un côté pratique, comme ça quand il y a une panne, on le sait tout de suite, quoi. C'est toujours du bricolage, voilà. Au dernier moment, on fait les costumes et on bricole des trucs qu'on n'a pas. Tu vois, Mathias a acheté une fausse moustache, des trucs comme ça. Tout le reste, c'est vraiment ce que chacun amène, ce que moi j'amène beaucoup. Ouais. Tu verras la grosse valise dans laquelle il y a tout. Voilà, il y a... Avec le temps, j'aime bien me déguiser, donc j'ai plein de costumes, plein de trucs, des poulets en plastique, des tas de trucs, et ça sert toujours, quoi. On fait beaucoup d'effets spéciaux à base de fil de pêche. À la Méliès, à l'ancienne, tradition, donc là, il était tradition française. On n'essaie pas de faire professionnel, on ne leurre personne, on fait des décors avec du carton et du scotch vert. Donc ça, je pense que c'est vachement plus proche des gens que quelqu'un qui donne des news sur un... qui est très formel, qui est très télé, comme tu peux voir sur toutes les chaînes. Et là, justement, on ne leurre personne, on assume le côté complètement carton. Et je pense que ça parle à beaucoup plus de geeks, et aux autres d'ailleurs, que quelque chose de formel et formaté et très télé. On a démarré cette émission avec des petits budgets, avec un côté artisanal, et ça lui donne un genre. C'est une marque de fabrique. Et on a voulu, on aurait pu faire évoluer plein de choses, mais on s'est dit, aujourd'hui, Retro Game One, c'est Retro Game One avec ce que ça comporte, son générique, son ambiance, ses décors fabriqués, on va dire, de manière hyper artisanale. Mais c'est ça qui donne ce petit côté fun aussi, c'est ce côté... l'histoire, c'est nous qui la racontons avec nos moyens et on continue comme ça. Et ça donne vraiment cette marque de fabrique. Et tu foutais de ma gueule ou quoi? Bouge pas, bah non, tu te démerdes. Tu dans l'air. Arrête! Tu te démerdes. Je vais faire de l'aide. Ça va tomber. Ça, oui. Ça va passer en fort. Tu peux le rattraper? Je l'ai. L'émission est beaucoup rediffusée et alors ça peut être très pénible a priori pour le téléspectateur. Mais
moi, ça me sert de prétexte pour en mettre vraiment plusieurs couches. Quand on retombe sur le programme encore et encore, on peut se dire, tiens, finalement, en première lecture, je ne l'avais pas vu, puis voilà. Donc, j'hésite pas, moi, à en rajouter des caisses, quoi, pour que ce soit plus supportable à la rediff. Bonjour, je viens postuler pour le poste de sauveur de l'humanité. C'est bien ici? Pourquoi? Tu trouves que ça ressemble à une épicerie, si, petit morveux? Non, monsieur, j'essaie juste d'être poli et courtois, monsieur! Le concept de Retro Game One, c'est simple, c'est donner l'impression que c'est fait avec trois bouts de ficelle, mais avec le cœur. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Une super cravate au gaffeur, attention, pièce essentielle pour un tournage. En gros, on est assez libre, on est même complètement libre. On pourrait tout à fait aller acheter un costume hyper élaboré de princesse. Et ce serait bien plus facile et rapide pour nous. Mais c'est pas du tout le concept de l'émission qui est vraiment de donner l'impression qu'on a fait ça à la maison, à l'arrache. Et en plus, nous, ça nous fait marrer de le faire comme ça. En début d'année, avec Mathias, on se met d'accord sur les thèmes. Enfin, on se dit, on va faire un truc sur la mafia, on va faire Yann Marcus Bertrand, la Terre du Ciel. On se met d'accord sur les jeux, etc. Et après, Mathias s'est écrit tout seul. Donc je découvre ce qu'il a fait, mais comme on est potes depuis longtemps, on a le même humour, j'ai aucun souci sur les textes. Je sais qu'il va écrire les mêmes conneries auxquelles je pense et tout. Et puis surtout, encore plus, des trucs complètement fous, quoi. Parce que Mathias, il part dans des trucs complètement barrés. Et c'est ça qu'on adore, quoi. Je pense que Mathias, ses idées un petit peu farfelues viennent de ses névroses, hein, typiquement, ça c'est sûr, et de son fort sens du burlesque et de l'humour, quoi. Parce que moi, l'humour, ça me fait rire. On peut voir des pique-mines un petit peu couillues, on peut voir des femmes qui sont pas vraiment des femmes. Tout ce qui passe dans la tête de Mathias, l'auteur, on essaie de mettre en vie tout ça, mais de manière la plus débile et la plus un peu kitsch, mais la plus rigolote possible, quoi. Bonjour Marcus, tu le vas bien? Bonjour Diane, je le vais bien. Alors dites-moi, vous diriez plutôt le GameCube ou la GameCube? Ah oui, on m'a déjà posé une question comme celui-là. Mais tu peux faire pas que je te raconte l'histoire de toi, petit cochon? Plus tard, là mon urgence c'est de savoir si c'est le GameCube ou la GameCube, vous comprenez? Ah oui. Diane, il pense que le console, il s'appelle GameCube, c'est tout. C'est ça qu'il GameCube pense. GameCube tout court. Voilà, ça va pas nous aider beaucoup. Et alors, cette histoire de petite cochonne Alors, c'est les trois petits cochons. Ils rencontrent le loulou. Le loulou, il va dans le coucou. Oh. Elle est où? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ça se fait couper au montage. Hein. Ce qui se passe sur Retro Game One, c'est qu'à part moi, on n'a pas d'acteur en fait. On a personne. Ouais, je suis le seul animateur officiel de Retro Game One. Or, souvent, on a besoin de figurants pour faire. Un personnage de jeu vidéo, etc. Si on fait Mario et Sonic, moi je vais faire Mario, mais il faut bien quelqu'un pour faire Sonic. Et donc, comme on n'a pas d'acteur, on n'a pas de figurant, on pioche dans l'équipe de Retro Game One. Donc ça peut être un ingénieur du son, ça peut être un électricien, ça peut être n'importe qui, et ça peut être le réalisateur, Pierre. On a dû faire un sketch avec des chasseurs ou je sais pas quoi, et il faisait tellement bien qu'on s'est dit, mais. Il faut qu'on le remette en chasseur dès qu'on peut. Donc dès qu'il y a un rôle de mec bourré, je me souviens qu'on l'a mis en Père Noël bourré. Voilà, donc ça c'est pour Pierre, on se pose même pas la question. Et puis après, une fois on l'a déguisé en femme. Je sais pas si c'était Geneviève de Fontenay ou autre chose. Et ça nous a encore plus fait rire. Et du coup, on adore quand il y a des rôles de femmes sexy défilés à Pierre. C'est vraiment un rôle de composition pour moi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est à moi qu'on demande ça. Aucun lien de parenté fils unique, mais bon, apparemment ça me va bien. Voilà. Au début, j'intervenais absolument pas dans l'émission. Et ce qui s'est passé, c'est que, à force d'expliquer aux stagiaires comment de faire une fille, comment faire le mec bourré, comment faire des choses comme ça, en montrant comment faire, il y a Mathias ou Marcus ou les deux qui m'ont dit mais pourquoi tu le fais pas? Mais pourquoi tu gueules comme un putain comme ça? Non, désolé, je croyais que tu étais une tête d'élan coupée. Mais enfin, on s'est rencontrés hier soir au bal masqué. C'est toi-même qui m'as demandé de garder ma tête d'élan. Tu te souviens pas? Non, pas vraiment. Mais maintenant que je te vois, je comprends mieux pourquoi je t'ai demandé de garder ce truc sur la tête. Quand on voit jouer, on se dit tous que bon, il a peut-être raté une petite vocation, quelque chose. En tout cas,
Il joue extrêmement bien, puis il adore faire ça apparemment. Il pourrait très bien refuser d'être devant la caméra, mais il le fait voilà, par plaisir, par passion, et c'est tant mieux pour l'émission, tant mieux pour nous, on se marre bien. Il maîtrise parfaitement les caricatures, et il fait ça avec beaucoup de sincérité. Et donc, à ses dépens, je pense que ça l'a un peu dépassé, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui en tant que comédien, parce qu'en tant que réal, il sait exactement ce qu'il veut, il maîtrise complètement son sujet. Mais en tant que comédien, il n'a pas du tout confiance, et moi, je le pousse de plus en plus. Que, comme il me fait vraiment rire, quand j'écris, je pense beaucoup à lui. Donc je vais aller sur des choses sur lesquelles je sais qu'il va être bon. Alors au final, ce sera peut-être pas forcément lui qui va le faire, mais moi, ça m'aide aussi à mettre en place une certaine mécanique. Super, votre télé, monsieur, c'est quoi comme modèle exactement? C'est une télé portable révolutionnaire! Portable? Bah, elle est pas un peu grosse? T'inquiète pas, plus tard tu verras que tu seras content d'en avoir une plus grosse. C'est un personnage à lui tout seul, dans la vraie vie, pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, faites-moi confiance. Et dans Retro Game One, il a pris toute sa dimension de personnage secondaire sur lequel s'appuie Marcus et Mathias dans l'écriture. Donc en fait, il y a un vrai, ce que je disais, il y a une vraie complémentarité et complicité. En fait, c'est pas juste entre Mathias et Pierre Boulet, mais entre toute l'équipe. Excusez-moi. Oui. Vous êtes bien Marcus ? Oui, c'est moi, oui. Vous vous souvenez avoir vu les prêtres chanteurs en concert ? Oui, et même que j'ai beaucoup aimé, alors je pensais clairement que c'était de la merde. Hein, excusez-moi, vous regardez, là ? Oui, oui. Merci. Tout le monde est là pour faire le con. Dès qu'il y a besoin de quelqu'un pour faire un rôle de figurant, on va chercher des gens dans les bureaux ou même des techniciens ici, des gens qui sont payés pour s'occuper du son ou de l'image, se retrouvent avec des costumes improbables en train de faire les andouilles. Mais c'est avec plaisir, quoi. Tout le monde fait ça avec plaisir, c'est assez génial. Ils sont où ces salauds qui braconnent les espèces en voie de disparition? S'ils continuent, je leur coupe les rognons et je les donne à bouffer à Jean-Michel. Mémé, comment ça mémé? Dis donc, si tu continues à me prendre pour une mémé, je lâche Jean-Michel, hein. La réussite de ce truc-là, le côté qui fonctionne, le côté drôle et tout ça, c'est vraiment la somme et l'addition de tous les... toute la volonté de toute l'équipe, quoi. Ça, faut vraiment... Enfin, ça se remarque vachement dans ce programme, quoi. Avant tout, c'est un programme qui repose sur des bonnes idées de Mathias, des astuces pour la mise en scène et beaucoup d'énergie de tous les membres de l'équipe. Tout le monde est complémentaire, tout le monde apporte un petit truc et c'est un vrai travail d'équipe. Bonjour, je suis Force Jaune et des jours, c'est pas facile. Chacun apporte une petite idée, on essaye à chaque fois de renforcer l'effet comique d'un point de vue visuel et aussi la crédibilité de la mise en scène, en fait. En fait, Retro Game One, c'est déjà une équipe soudée et au taquet, toujours prête à créer des choses. Donc chacun y met son petit côté à lui, au niveau humour, au niveau recherche matérielle et puis au niveau énergie. C'est cette potion magique qui fait que wow, les Retro Game One après donnent ce résultat. On n'est pas bien là, hein? Le Retro Game One, avec le réal, au lit. Tout le monde maintenant, tout le monde est très très investi dans cette émission à tout niveau. Et moi maintenant, je me bride plus du tout comme si j'étais au volant d'une super production américaine. C'est-à-dire que dans le texte, si, je ne vais pas hésiter à mettre un hélicoptère par exemple ou un char parce que je sais qu'en plateau, on va le faire. Alors ça va être du carton découpé, ça va être n'importe quoi, mais au final, avec l'habillage sonore derrière, avec des jeux de lumière, des caches, le truquiste, tout le monde en fait va vachement s'investir et va trouver le petit détail, la petite ingéniosité qui fait qu'on va y croire. À défaut de Jaguar, on bouffera du poulet. C'est vraiment une émission de passionnés qui veut être passionnante. On espère que les téléspectateurs le ressentent comme ça. Mais voilà, merci pour tout ce boulot, cet investissement. C'est génial. C'est génial de bosser dans ces conditions avec des gens qui ont de l'envie, quoi. Continuons. Et l'histoire continue de se raconter, en tout cas de s'écrire. Et nous, on va tâcher de continuer de la raconter de manière la plus fun possible et avec autant d'implication. Voilà, c'est génial. En tout cas, c'est vraiment génial de bosser avec des équipes comme ça sur des contenus comme ça. Comment parler du jeu vidéo et du jeu rétro d'une façon différente et attractive? On y réfléchit. On a sûrement des pistes.
je ne vous le dévoilerai pas, parce que je ne voudrais pas vous décevoir si jamais ça n'aboutissait pas. Mais on y réfléchit. Ouais. L'humour, c'est ça qui nous sauvera tous. Allez, à bientôt mes petits amis.